Joseph est né dans la ville de Sainte. Il vécut de 1738 à 1814. Lorsqu'il fut à la fois médecin et député de Paris aux États généraux, il demanda pour l'exécution des condamnés à mort la création d'une machine. On en fit un objet féminin et on lui donna son nom en dépit de ses protestations. De truculence en malveillance, les gargouilles se débarbouillent, l'eau ruisselle sur les margelles, pendant que dégouline du sang sur les vieilles ruines. Madame Guyot, vous pouvez être fière de votre mari. Madame Guyot, ne tronquez pas ce nom qui vous unit. De sentence en récompense, les fripouilles sont en vadrouille, de belles chapelles en demoiselles, pendant que fascinent de vieilles histoires anodines. Madame Guyot, vous pouvez être fière de votre mari. Madame Guyot, n'ayez pas honte d'un nom qui est béni. D'évidence en négligence, ça bredouille et ça s'embrouille, jamais fidèle au pénitentiel, pendant que mutine l'innocence courbe l'échine. Madame Guyot, vous pouvez être fière de votre mari. Madame Guyot, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui la balance en a perdu la tête et ses soucis pour des machines.